Écoutez, moi, je suis venue au numérique parce que j'ai été rapporteur d'une étude sur la gouvernance d'Internet. Donc, j'ai plutôt une vision un peu géopolitique des enjeux de l'Internet. J'avais la possibilité de m'intéresser à la cybersécurité et je me suis plutôt intéressée à la protection des données. C'est pour cette raison que je suis devenue data protection officer ou déléguée à la protection des données. Alors effectivement, j'en reviens deux minutes à la chronique que je fais depuis un an et demi, qui est un podcast. Et en fait, j'explique, et c'est toujours cette histoire de sensibilisation, j'essaye d'expliquer à Madame Michu les enjeux du numérique. Donc j'essaye de coller à l'actualité. Et donc en 2 minutes 30, voilà, je tiens une chronique depuis à peu près un peu plus d'un an. Voilà. Pour en revenir à mes fonctions, à mon métier, d'abord c'est un nouveau métier. Il faut savoir que le Data Protection Officer, c'est une fonction qui est prévue dans le règlement européen, le RGPD, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Il y avait auparavant un CIL, un correspondant informatique et liberté, mais qui n'avait pas du tout les mêmes fonctions que le Data Protection Officer. Le CIL était désigné uniquement pour tenir un registre, et en échange de la tenue de ce registre, vous n'aviez pas de formalité à faire auprès de la CNIL, et vous teniez le registre. Le Data Protection Officer, il ne tient pas le registre. Il est là pour... Ses fonctions sont décrites dans l'article 39. Il est là déjà pour informer et puis pour conseiller le responsable de traitement ou le donneur d'ordre ou le sous-traitant, peu importe. Vous désignez obligatoirement un Data Protection Officer pour tous les organismes publics. Alors je vous invite à aller sur le site de la CNIL qui a mis en ligne maintenant sur son site un moteur de recherche où vous tapez juste le nom de l'organisme que vous recherchez. Et vous avez automatiquement le nom du Data Protection Officer. Et vous serez surpris de constater que peu d'organismes publics, alors qu'ils sont obligés d'en désigner un, ont un Data Protection Officer. Je l'ai dit en passant. Alors donc j'informe et je conseille. Je veille évidemment à la réglementation. Et puis, peut-être qu'on va en venir à ce sujet, je veille aussi à ce qu'il y ait des études d'impact si on pense qu'il y a un risque pour les droits et libertés des personnes. Parce qu'il faut savoir que le RGPD, il place l'individu au centre de gravité. Ce n'est pas l'entreprise qui est au centre de gravité, c'est l'individu. Et peut-être que peut-être qu'on m'a demandé de participer, parce que c'est assez complémentaire. Après tout, une entreprise, elle collecte les données d'un individu, on lui confie ces données, nos données. Et donc, pour cette raison, on a besoin de protéger ces données. On lui prête, on ne lui donne pas. On lui prête. Pour l'instant, on n'est pas encore américain. Mm-hmm. Donc, nous, on protège les données. On ne marchandise pas les données. Alors, la partie, en fait, sur les PME et les collectivités locales, c'est important parce qu'il y a des gens qui se sentent un peu... exclu, entre guillemets, des propos qui ont pu être un peu tenus un peu plus tôt. Nathalie Chiche, je voudrais que vous puissiez nous faire... un peu rapidement, un petit panorama de ce qui existe comme solution pas trop coûteuse pour des petites structures, comme par exemple des PME ou des collectivités locales. Alors, certains parlent d'hygiène numérique. Est-ce que c'est un concept ou un terme que vous utilisez ou pas ? Pas du tout. Non. Je n'utilise pas hygiène numérique. Je pense que c'est une affaire de tout à chacun de s'intéresser à la protection des données, d'où ma chronique. Mm-hmm. Hein. Je m'intéresse aussi à Madame Michu. Alors, vous m'avez demandé de la porter, donc je la porte. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma compagnie. Mm-hmm. Malheureusement, je ne suis ni la CNIL, ni la BPI. Mais bon, j'ai participé à ce guide pratique que je vous conseille de télécharger, qui s'adresse à la PME. Il s'appelle le guide pratique de sensibilisation au RGPD pour les petites et moyennes entreprises. Il est très factuel. Il n'est pas... parce que le RGPD est un texte qui est extrêmement compliqué, d'où l'intérêt de désigner un data protection officer externe comme je le suis, c'est-à-dire je peux être mutualisé. Et l'intérêt, c'est justement de rendre accessible l'information, enfin la mise en conformité au RGPD pour les petites PME, pour répondre à votre question. Alors, moi, je n'ai pas de collectivité locale dans mes clients, j'ai des PME. Et donc, la première des choses que je fais quand je dois accompagner une petite PME à la conformité, et notamment sur tester son niveau de sécurité, écoutez, je prends tout simplement, vous m'avez demandé aussi de l'apporter, j'en ai un petit exemplaire pour vous montrer. Est-ce que je peux le faire passer, le guide jaune ? Oui, vous m'avez demandé de l'imprimer. Oui, je sais. De l'imprimer. Voilà, vous avez 17 questions sur le site de la CNIL, gratuit.
Et vous pouvez, donc moi, je vous cache pas que je l'utilise, j'utilise ce questionnaire pour, c'est oui ou non, hein, c'est, il n'y a pas à trancher. Et donc, voilà, vous répondez à ces 17 questions de la CNIL, et déjà, vous avez un niveau de conformité, vous pouvez apprécier votre niveau de conformité en matière de sécurité. Donc ça veut dire que c'est pas si compliqué que ça d'avoir un niveau minimum. C'est surtout gratuit. De protection. C'est d'abord un outil gratuit, c'est ce que vous me demandiez. Et pour répondre à monsieur tout à l'heure qui demandait, mais nous les petites collectivités, comment on fait ? Il y a quelques points en fait à vérifier, comme sur une voiture avant de partir en vacances. On fait la pression des pneus et. Vous allez voir, vous pouvez le faire passer puisque vous m'avez demandé de l'imprimer. Donc je fais de la pub que pour la CNIL, BPI, c'est pas pour moi. Voilà. Mais c'est, on m'a demandé d'apporter des outils gratuits, donc c'est ce que j'apporte. Un questionnaire qui est vraiment classique. Hein. Vous savez, par exemple, le mot de passe, hein, c'est vraiment un mot de passe. Jusqu'ici, j'ai audité des PME et très peu, sinon quasi aucune, n'avait un mot de passe conforme aux préconisations de la CNIL. Soyons clairs. Est-ce qu'il y a toujours les 1, 2, 3, 4 et les 4 fois 0 ? Non, quand même pas, mais bon, voilà, il n'y a pas. La CNIL recommande au moins 8 caractères avec un minuscule, majuscule et puis caractères spéciaux. Bon, on en a toujours 6 ou 5 ou que des majuscules. Voilà, ça, c'est classique. Hein. Les habilitations aussi, c'est quelque chose qui est, qui est automatique. On devrait avoir une gestion des habilitations. Bah, tout le monde a accès à tout. Hein. Donc, voilà, quelques petits exemples.